Bah, dès que la musique commence, dès que le morceau commence, ça me prend à l'intérieur en fait. Je suis captivée tout de suite. Et en même temps, après, je vagabonde. Déjà, j'ai l'impression toujours qu'il chante que pour moi. Et je sais pas, ça me parle. Quel que soit le morceau en fait, le texte ou autre, c'est lui. Il me capte et il m'emmène après. Est-ce que vous êtes... C'est toute une jungle. Ah, c'est toute la jungle, C'est du tous les lion, animaux. c'est du tigre, c'est quelque chose alors de sauvage, de sauvage. De sauvage. C'est ce qui laisse, pénétrer en nous. C'est une fougue, c'est une sauvagerie. Oui, voilà. 40 ans d'adoration. Je ne vais pas dire fan, j'aime pas le mot fanatique, mais 40 ans d'idole. La grandeur et l'énergie, beaucoup, l'énergie. C'est l'énergie qu'a Johnny et l'énergie, c'est la vie. Alors je dirais que Johnny, c'est la vie, qui nous donne de la vie. Merci. Merci pour ce qui nous a fait vivre pendant des années et des années et ce qui nous fera encore vivre, j'espère. Je dirais merci, un grand bravo. Je veux dire franchement, je vais boire un verre avec toi. Hein. C'est tout, tout simple. Une bière, n'importe quoi. Hein. Ouais, tout simplement. Donc vous voudriez le rencontrer en tant que... Avant de mourir. Avant de mourir, en tant qu'humain. En tant qu'homme. En tant qu'humain, en tant qu'être humain, quoi. Ouais. C'est tout. Voilà. C'est un rêve, donc pour moi. Ouais, on va dire que c'est un rêve, ouais. Ouais, ça serait un beau rêve même, ouais. Avant de crever, ouais, avant de mourir. J'ai pas de mots là qui viennent. Peut-être que le silence s'en est un. Ouais. C'est quoi Tennessee, t'as vu? C'est l'amour, la joie, les peines, la tristesse, c'est tout. Ah oui, quand on aime, bien sûr. Quand on aime Johnny, on a toujours quelque chose à nous de Tennessee. Ah oui. Pensez-vous qu'on a tous quelque chose en nous de Tennessee? Oui, on a tous en nous la force, la puissance, l'envie d'un ailleurs, quelque chose qui nous porte vers autre chose, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui nous appelle, quelque chose, une mission dans la vie, un sens, quelque chose vers lequel on tend. C'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on ressent, c'est des émotions, c'est un ressenti, c'est la vie qui s'exprime. Et c'est ce que nous montre Johnny, à exprimer notre vie intérieure. Quelque chose de Tennessee, j'ai quelque chose qui me rapproche de M. Hallyday. Et c'est Tennessee, c'est dans l'âme, c'est dans ce qu'on pense. J'en suis persuadée. Les mystères, l'amour et l'envie d'aller plus loin, de toucher des choses que tout le monde ne touche pas.
Monsieur Hallyday passerait là, même que ce ne serait pas Hallyday, tout le monde le regarderait parce qu'il a ce, ce septième sens qui est en lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est plus fort que les autres, justement. C'est ça justement sa force. C'est qu'il a, il a un magnétisme inouï. Johnny, c'est magique. Il y a quelque chose d'éternel. Ouais. Je pense que ce qui doit compter, c'est la sincérité profonde. Et le partage.